Bonsoir à tous, bienvenue à la BPI dématérialisée pour un autre jeudi de la BD. On est très heureux de vous avoir avec nous, même si c'est un peu de loin, en espérant vous retrouver bientôt de près. Et on a le plaisir de retrouver la petite salle et une configuration de scène agréable. Et je tiens d'ailleurs à remercier Renaud, Alexandre, Thomas, Julien et les autres qui sont dans nos services techniques à la BPI, qui nous ont aidés, notamment dans cette année difficile, à pouvoir maintenir le lien et à continuer les jeudis de la BD. On le dit peut-être pas assez souvent, mais merci. Merci beaucoup à eux. Et donc, nouveau jeudi de la BD. Et avec Sonia, on accueille aujourd'hui Gabriel Piquet. Bonsoir, Gabriel. Bonsoir. Et bonsoir, bonne soirée. Merci beaucoup, Nathanaël. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous, même à distance. Et merci encore, donc, Gabriel, d'être avec nous aujourd'hui pour parler de La Mécanique du Sage, formidable album pour lequel tu as reçu le Fauve de l'Audace en janvier dernier au Festival d'Angoulême. La Mécanique du Sage, qui est donc publiée chez Atrabile. L'histoire de Charles Hamilton, un jeune homme très riche qui souffre de troubles bipolaires. Il se sent, il le dit, en alternance. Le soir, la nuit, il fait la fête. Le lendemain, c'est la dépression qui guette. Et il va chercher une solution pour plus souffrir de ça. Il veut plus de sagesse dans sa vie. Et il va découvrir l'existence des ermites ornementaux. Ermites ornementaux que j'ai découvert moi aussi à l'occasion de la lecture de cette bande dessinée. Est-ce que tu peux peut-être déjà commencer par nous raconter ce qu'est un ermite ornemental et peut-être comment est-ce que, après avoir lu un article de Francis Misio, tu as eu l'envie de réaliser cette bande dessinée ? Alors oui, donc je cherchais une idée, un fait historique assez fort, ce qui est rarement le cas dans mes livres, en fait. C'est plutôt. Par hasard, j'écoutais une émission de France Culture sur la sagesse, sur la sagesse. Et en intro, a été mentionné l'existence des ermites ornementaux. Ensuite, je suis allée voir sur Internet, et là, je suis tombée, en effet, sur cet article de Francis Misio. Les ermites ornementaux, c'est. Oui, en effet, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable, c'est très peu connu. Alors en fait, ils ont existé, je crois, ça a commencé, c'était une vraie mode dans les pays anglo-saxons. Je crois que ça a commencé au début du 18e siècle. Et le dernier à en avoir employé un dans sa propriété, c'est un certain Charles Hamilton, donc, dont je me suis inspirée. Alors c'était le principe, c'était d'employer donc, un type complètement lambda, donc en recherche d'emploi, pardon pour la redite, mais pour lui faire occuper au fond de son jardin une grotte, une hutte, une cabane, un endroit quelconque. Et en fait, alors le principe, c'est un peu compliqué à expliquer, mais le propriétaire terrien, qui était souvent un type fêtard, avait cette ambiguïté en lui, c'est-à-dire que il voulait aussi. Il recherchait une forme de sagesse, mais évidemment sans faire d'efforts. Sans changer le mode de vie. Voilà. Donc, en fait, l'ermite ornemental était une espèce de signe extérieur de sagesse à lui tout seul. Donc, il se mettait sur le balcon et il regardait cet homme qui était obligé, enfin, ça faisait partie de son contrat, en fait, de sortir et de faire des tours En robe de bure, avec tous les attributs de l'ermite. Ça pouvait être un sablier, une Bible à la main. Il avait pour interdiction formelle de se couper les arbres, j'allais dire les ongles, la barbe, enfin voilà, c'était et c'est quand j'ai vu ça, je me suis dit que c'était c'est formidable. C'est sûr qu'en recherche d'un fait historique qui pourrait faire une bonne histoire, on se dit immédiatement, mais c'est presque ininventable en fait une histoire, comme ça. Oui vraiment, ouais j'ai trouvé ça incroyable quoi. Et puis ça a été vraiment une vraie mode, hein. Ça a été quelque chose qui s'est beaucoup développé et, avec des trucs très drôles, des types qui disparaissaient au bout de 3 semaines et qu'on retrouvait dans des brasseries à Londres parce qu'ils craquaient, il fallait qu'ils aillent picoler, enfin ou d'autres qui une femme leur manquait et tout à coup, enfin des fugues, des choses. Voilà, donc je me suis dit que ce serait vraiment une bonne. Enfin, c'est autour de cette espèce d'évidence que s'est construite l'histoire. Et voilà. Tu parlais de Charles Hamilton, qui a donc existé, dont tu t'es inspiré pour ton personnage. Mais en revanche, même si ce personnage a existé, tu l'as un petit peu, tu as déplacé son existence dans le temps. Ou en tout cas, ton Charles Hamilton n'a pas vécu exactement non. la même époque que le vrai Charles Hamilton. Non, c'était début 20e. Alors, je vais peut-être dire une bêtise. Je ne sais plus là, si c'est fin 19e, début 20e. Là, la bande dessinée se passe en
37-38, c'était pour une envie graphique. J'avais envie d'un décor, d'une histoire qui se déroulerait à ce moment-là. Et en Écosse. Et en Écosse, oui, en Écosse, parce que j'avais, en fait, mon livre précédent il y avait une ambiance un peu à l'américaine, qui ressemblait un petit peu au quartier de Harlem, et j'avais peur que ce soit trop proche. Donc c'était l'Écosse. Mais c'était pas simple, parce que c'est proche, quoi. Il fallait faire attention graphiquement à pas être trop dans la redite, quoi. C'était, et on va en parler notamment avec les affiches que tu mets en avant dans certains dessins de cet album. Mais j'aimerais qu'on commence par le commencement. Ah oui. La première page de cet album, c'est celle-ci. Et on peut y lire « Charles Hamilton a tout pour être heureux ». Et là, on le voit jouer à saute-mouton. Voilà. Donc, les deux hommes sont en costume, chapeau sur la tête. Le camarade de Charles, on peut le voir, porte une cravate. Dans le rayon BD sur France Culture, je t'ai entendu dire que cette image fantaisiste, elle était là pour donner le ton de l'album, ouais, et pour t'obliger aussi, oui, quelque part, pour pas que tu oublies cette fantaisie, cet humour, cette ironie que tu voulais mettre, ouais, dans l'album. Ouais. C'est une image qui est inspirée d'une photo de Laurel Hardy, je crois. Je crois. On oublie, en fait. Enfin, moi, je travaille avec de la doc, comme plein de gens, et j'oublie. J'ai tendance à avoir un ton un peu grave dans mes livres. Et là, comme il s'agissait encore de sujets un peu sérieux, j'ai tendance aussi à faire ça. La sagesse, la recherche du bonheur. En plus, on parle de, même si le mot n'est pas dit, mais tu le disais tout à l'heure, de bipolarité. C'était quand même un peu lourdingue, et il fallait que je fasse gaffe à pas tomber dans le pathos. C'est tout de suite, c'est ce que je disais, oui, sur France Culture, je me suis un peu aidée aussi j'ai annoncé un peu le cap pour moi, quoi, pour pas me, voilà. Attention, oui, qui est très fin, parce que c'est vrai que c'est des choses à côté desquelles on peut passer parfois, parce que là, le dessin, il est immédiat, parce que c'est le seul dessin de cette première page. Mais ensuite, c'est des petits détails que tu glisses dans les images qui allègent. Mais quand on peut... Moi, je sais que la première fois, j'avais tellement envie de savoir ce qui allait se passer que je ne me suis pas forcément attardée sur les détails, ouais, des images. J'ai eu une première lecture comme ça, à vraiment lire et avoir envie de savoir où est-ce que tu allais. Et c'est ensuite, dans un second temps, que j'ai pris le temps de décrypter un petit peu les images et qu'on voit effectivement des dames tomber, se prendre des lampadaires et des petits signes comme ça, mais qui sont très discrets, c'est-à-dire que ça ne vient pas du tout parasiter le récit. Et comme tu dis, ça apporte une certaine légèreté, ouais, en fait, mais, ouais, mais presque, j'allais dire, presque inconsciente dans le regard du lecteur. Ouais. Oui, j'espère. Je fais un peu appel à... Alors, c'est vrai qu'il faut que le lecteur soit un petit peu attentif, quoi. C'est mieux pour lire un livre. Oui, mais on peut avoir tendance à passer à côté. Ouais. En plus, tu vois, il n'y a pas de couleur, etc. Donc, c'est vrai que... Mais tout le livre, c'était ça. Essayer de pas oublier l'ironie qui est cette espèce de pas de côté important. Moi, sinon, j'aurais jamais pu. J'ai travaillé 2 ans sur ce livre. Je voulais pas d'un truc plombant, ouais, aussi pour moi. Tu vois. Et pour les proches. Et pour les proches et pour toi, non. C'est, mais il est plus marrant que les autres, et j'espère continuer dans cette veine-là, en fait. Et on parlait du ton avec cette fantaisie. La voix off est très importante, ouais, dans ce récit. Victor Massé de l'Épinay, sur France Culture, te disait y avoir lu des vers, et tu lui as répondu « Je lutte contre, ouais, ça ». Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment se manifeste cette lutte contre une tendance C'est marrant, parce que je me demandais, justement, je répondais à des questions, à une interview, et justement on me posait la question ce matin, et en fait j'ai essayé de me souvenir depuis quand ça m'a pris ce truc-là. Et en fait c'est depuis Les idées fixes, qui est un livre que j'ai fait chez Futuropolis en 2014, qui est une sorte de long poème, de poème un peu marin, là, et tout est en vers, quasiment tout, en fait. Et à partir de 2014, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais spontanément, tout vient comme ça. Scansion, la scansion, c'est pas, à la limite, ça me gêne pas, c'est une espèce de mélodie. Mais les rimes, les vers, c'est fatigant, quoi. Donc, il y a un gros travail derrière avec l'éditeur, de toi-même, oui, déjà, oui, et ensuite de l'éditeur, pour, oui, essayer de lisser un petit peu ça, ou en tout cas pour essayer d'échapper à quelque chose qui serait pesant, parce que c'est pesant. Là, justement, ça l'est absolument pas. Mais on s'imagine pas qu'il y a un gros boulot derrière pour arriver à ce résultat. On a l'impression de quelque chose, justement,
vraiment de très fluide, de très naturel, et on aurait presque l'impression que ça pourrait être d'un jet comme ça. Mais en fait, c'est important de dire que derrière une fluidité, une apparente simplicité qui marque, il y a un gros boulot pour arriver à ça. Moi, j'ai repris l'ensemble plusieurs fois. J'arrivais pas à faire sauter certains trucs, et mon éditeur m'a proposé. Ouais, il y a des trucs que j'ai dû. C'est curieux. Et puis, il y a ce côté aussi, ça, je ne sais pas non plus d'où ça vient, mais même dans le graphisme, ce côté pas du tout contemporain, quoi. C'est-à-dire que... Oui, du coup, il y a un côté, c'est-à-dire... même si là, c'est daté, et tu as donné la date tout à l'heure, mais il y a quelque chose à la fois de très hors du temps. Alors, je ne sais pas, j'espère que c'est plus ça plutôt que daté. Il y a ça, bien sûr, daté dans le sens où on peut mettre une date, parce que les ermites ornementaux et justement cette histoire est inscrite dans le temps. Mais malgré tout, même si un peu dans les costumes des personnages, on se doute bien que ce n'est pas aujourd'hui. Mais moi, c'est vrai que si on m'avait demandé spontanément quand est-ce que c'était, sans y réfléchir, j'aurais peut-être pas su dire exactement. Je trouve qu'il y a quelque chose de très hors du temps, ou en tout cas, on ne se pose pas tellement la question, parce que ce n'est pas tellement ce qui est important, en fait, parce que c'est ce que vivent et ce que ressentent les personnages, pas uniquement Charles, on va en parler, il y a d'autres personnages, mais je trouve que oui, il y a vraiment quelque chose hors du temps dans ton dessin. Mais tous les bouquins, en fait, il y a une volonté, sauf pour, il y a eu Les Enfants de l'Envie, qui était très, il y avait des dates, parce qu'il s'agissait de parler d'un fait historique vraiment précis, mais oui, c'est une volonté de ne pas marquer les choses trop. Après, ça peut être, je me rends compte que ça peut être, c'est intéressant aussi de... Moi, je fais ça pour me sentir plus libre, en fait. Mais je ne sais pas d'où ça vient. C'est comme l'écriture. Comme les vers. C'est comme les vers, ouais. Et comme on parlait un petit peu de la mécanique avec l'écriture, la réécriture, par rapport au dessin, est-ce que tu fonctionnes toujours en faisant les dessins séparément et ensuite en les découpant, les collant? Toujours. Ou est-ce que ça a évolué? Toujours. Et tu vois, j'ai une espèce de chemin de fer sur lequel je jette en gros les phrases, ce que je dois dire en gros, mais l'écriture vient, en tout cas pour celui-là, il est venu en regardant les images. C'est-à-dire que je... Et est-ce que ça veut dire, quand tu dis que tu fais les dessins séparément et qu'ensuite tu construis tes pages, est-ce que malgré tout tu les fais chronologiquement par rapport à ton album, ou vraiment dans tous les sens, et selon ce qui t'inspire sur le moment? Je les fais à peu près dans tous les sens. Enfin, au départ, en général, je commence sur 10-15 pages, et puis à un moment, il faut que ça parte. C'est une sorte de... Et... Ouais, je pense que sinon, il y a une espèce de routine, quelque chose qui s'installe. Et on peut voir aussi que pour certains dessins, il y a une case tracée. Là aussi, est-ce que c'est quelque chose d'assez instinctif quand tu parles de « je mets les dessins sur la trame » Est-ce que c'est instinctif, ou est-ce que ça répond à une mécanique bien précise? Comment est-ce que tu te dis sur telle double page? Parce qu'il y en a des fois, justement, là, il y a une grande case, mais ce n'est pas du tout systématique. Et ça apporte du rythme. Il y a vraiment quelque chose où on voit tout l'intérêt de le faire. Mais c'est vrai que je me suis demandé si ça répondait à une mécanique très, très précise, ou si vraiment c'était l'instinct et la rythmique. Alors, en fait, ça dépend. C'est-à-dire, pour ce genre de double page, c'est surtout pour des questions de lisibilité. C'est-à-dire que si tu n'as pas les cadres, là, le lecteur se perd. Au niveau de... Il ne sait pas forcément où regarder. Donc, ça peut être... en tout cas, quand il y a plusieurs dessins par page, c'est surtout pour une question soit d'équilibre esthétique, on va dire, entre même les vides et les pleins, parce que si tu enlèves certains cadres, tu vas avoir trop de blanc, par exemple. L'œil va être gêné, quoi. Donc, ça peut être soit ça, soit pour des histoires de lisibilité, ou alors, tout simplement pour les pleines pages, certains dessins... Tu essayes, en fait, et tu te rends compte qu'avec un cadre, ils ont plus de force, et d'autres, si c'est trop flottant, enfin, tu vois, voilà. Mais c'est très... en fait, ça veut dire revenir... En fait, ça a l'air de rien, mais il faut y revenir plusieurs fois. Ce sont des... Ouais, c'est assez fin, en fait, comme... Mais c'est ce qui permet d'un rien pour la lisibilité. C'était vraiment ça l'idée aussi. C'était vraiment de mettre de la lisibilité dans tes pages, en fait. En plus, moi, j'ai tendance à... le dernier bouquin, il y avait un système de cases, enfin, beaucoup plus mécanique, systématique, mais avant, j'en faisais jamais. Et on pouvait se perdre un petit peu aussi dans mon travail.
Alors là, effectivement, la mécanique du sage, je le disais tout à l'heure, de cette première lecture d'une rapidité folle, parce qu'on a encore une fois envie de vraiment savoir où tu nous mènes. Et c'est vrai qu'à aucun moment, on est perdu. Et on va revenir, bien évidemment, sur ces dessins. À quel moment, avant de parler justement du dessin, on parlait du texte tout à l'heure, tu disais qu'il y avait la trame et ces images. À quel moment arrive le texte? C'est-à-dire qu'on voit des petits bouts de dialogue de temps en temps, on a cette narration. Et je me demandais comment est-ce que on était avec Si le mois dernier qui nous expliquait qu'elle écrivait tout son scénario, ensuite qu'elle faisait un premier découpage mais un tout petit sur des pages entières et en faisant les doubles pages mais en minuscules, et qu'ensuite elle faisait à l'iPad ou en tout cas à la tablette un découpage, et qu'ensuite avec la table lumineuse elle faisait ses planches. Et je me suis demandé, comme je le disais, c'est un album où la voix off est très importante, comment est-ce que à partir de ces images que tu as et qui sont individuelles, tu réussis à les marier avec les textes, à quel moment ils interviennent, est-ce qu'ils bougent encore derrière, voilà, comment est-ce que quelle est la mécanique de création des planches telles qu'on les voit, est-ce qu'ils bougent, tu veux dire, est-ce que je écrit ou est-ce que je l'ai C'est-à-dire, est-ce que tu as une première version de la mécanique du sage qui serait tous ces textes-là? Je ne parle pas du travail des textes niveau de la versification ou de la tonalité, mais est-ce que tu as un premier scénario où il y a tous ces textes ensuite que tu maries, ou c'est vraiment avec les images? Du tout. Vraiment, j'ai une idée générale. Enfin, je sais ce que je veux dire par page. Par exemple, là, à gauche, voilà, c'est le Charles Hamilton qui a priori a l'air heureux, tout le monde se fait prendre un peu, croit que tout va bien pour lui, donc ça je le mets en deux mots sur le, voilà, avec deux trois croquis, mais qui sont beaucoup plus qui sont des illustrations beaucoup plus littérales de ce que voilà du texte. Et ensuite je cherche une manière de représenter justement quelque chose de pas trop, par exemple, je ne veux pas le faire souriant. Voilà, j'ai essayé de justement conserver ce côté un peu fantaisiste. Je me suis dit, tiens, si je le fais jouer à la corde avec une fille, avec un chien, essayons ça. Et ensuite, en regardant, parfois je sèche complètement d'ailleurs, mais en regardant les trois dessins, parfois les dessins me donnent eux-mêmes, enrichissent le propos, c'est-à-dire vont me faire dire des choses que je n'aurais pas forcément penser, dire, et inversement, parfois je suis vraiment coincée parce que je me dis, bon, mais là ça colle pas, enfin, le dessin est trop en décalage avec, enfin, je sais pas si je suis claire, mais je ne dessine pas, je n'écris jamais, avant, jamais, enfin, c'est vraiment là, c'est, ouais. Et je le disais, on le disait tout à l'heure, ton dessin où il n'y a pas, où tu ressens la nécessité de parfois mettre des cases pour des soucis de lisibilité, parce que justement aussi c'est un dessin où souvent on peut le voir d'ailleurs sur cette double page, il n'y a pas forcément de décor, il y a des décors quand c'est utile et quand le décor est important pour ce que tu racontes, pas d'aplat, pas de hachure, pas de couleur, même si le trait là, on va y revenir, est en couleur, on est vraiment sur le trait, c'est vraiment ce qui te passionne le plus, ce travail du trait. D'ailleurs, tu dis, je crois, que tu es davantage influencé par le dessin de presse que la bande dessinée. Oui, mais enfin, je dis ça, mais ça change. Mais c'est vrai que, par exemple, c'est vrai et c'est pas vrai, mais en tout cas, j'ai très très peu lu de bande dessinée pendant longtemps, j'en lis plus maintenant, mais si le trait ne me séduit pas, moi j'y arrive pas, ce qui est dommage, sans doute, c'est sûr même, parce que je passe à côté de choses, je le sais, mais je n'y arrive pas en fait. Il faut vraiment que même le premier rapport avec le livre, c'est vrai qu'il y a, y a un truc à passer, à dépasser. C'est sûr, mais j'y arrive très rarement, mais c'est compliqué. Après, c'est une question de culture, j'ai grandi avec ça, le dessin de presse, j'étais plutôt voilà, mais oui, aujourd'hui j'ai l'impression je travaille depuis des années au stylo bille, et là j'en ai marre, il faut arrêter. D'accord. Je sens qu'il faut autre chose là. Il y a un autre outil que t'as fait le tour un peu, enfin que tu t'amuses moins pour l'instant, mais alors tu vois, je reprends le Rotring, mais c'est très très compliqué parce que j'essaie de me permettre, je suis beaucoup dans le contrôle dans le dessin, c'est quelque chose de très précis, et du coup je suis lente, et j'essaie, à côté de ça je fais des dessins beaucoup moins maîtrisés,
Et j'ai envie de faire le projet sur lequel je travaille en ce moment. C'est compliqué pour moi d'accepter ce trait-là avec ces erreurs terribles, mais je me dis, allez, on y va, et je rajoute de la couleur. Donc c'est un peu un changement. Ouais, c'est un peu. Mais j'en ai jamais fait de couleur, donc c'est un peu. Je repars un peu à zéro, donc c'est long. Mais on le disait, tu le disais, c'est au stylo bille, et j'évoquais la couleur tout à l'heure, puisque ce n'est pas un stylo bille noir, c'est une teinte de Bordeaux. Oui, c'est un sépia Bordeaux. Ouais. C'était justement, on parlait tout à l'heure d'époque, c'était pour donner ce ton-là, cette indication-là. Oui, c'était ça. Ouais, c'était pour. Et dès le début, tu as trouvé cette. Non, au départ, moi, j'avais pensé plutôt à une bichromie, mais finalement, on s'est dit que ce serait bien de... Après, on s'est trompé un peu de Pantone. On voulait un truc un peu. Bon, c'est pas grave du tout. On s'en fiche. On voulait un truc un peu plus sépia. Mais c'est très bien comme ça. Et tu évoquais les lectures que tu pouvais avoir. À chaque fois que tu fais un livre, tu dis que tu as une figure tutélaire. J'ai l'impression. Mais alors c'est oui. Mais c'est pas conscient vraiment en fait. J'ai dit ça à la radio. J'ai l'impression dans les gens que tu remercies à la fin du livre qui a ces figures. Oui. Alors là, ça se manifeste comment justement, par exemple? J'oublie en fait. Clairement, je sais que il y a carrément des dessins de Karl Arnold, par exemple, que j'ai pompés, clairement. Mais des attitudes, notamment des pas beaucoup, mais de quand les gens dansent. Ou des petits chiens, je crois. Oui, c'est complètement assumé. Je ne sais pas. Et le dernier, c'était plus Esner, je crois. Eric Hauser aussi. Pour celui-là, oui. Ouais, pour celui-là, oui, Karl Arnold et Eric Hauser. Eric Hauser, pour le rapport père-fils, père-fille, là, du coup. Mais c'est-à-dire qu'en faisant le livre, pour Eric Hauser, c'est en faisant le bouquin, je me suis dit, tiens, mais en fait, ça me rappelle Eric Hauser. Je suis allée chercher chez moi et je me suis dit, dans ma bibliothèque. Je l'ai pris. Et j'ai, On va revenir, parce qu'on n'a pas encore parlé justement de la fille de Charles. Et effectivement, c'est quelque chose d'extrêmement important, puisque c'est le deuxième personnage principal de cette histoire. Mais pour revenir un instant sur Charles, on l'a dit, dans cet album, il ne va pas très très bien. Mais au-delà de ça, tu l'écris, c'est un homme bien en avance sur son temps, égalitaire, qui va rencontrer Mona. Mona qui veut être une femme libre, qui est pleine de paradoxes aussi. Oui. C'est-à-dire qu'elle se demande, parfois elle se dit, un homme sensible est-il nuisible à l'épanouissement d'une femme libre? Et même si c'est très court, ce passage dans la vingtaine, quand Charles Hamilton tombe amoureux de Mona, malgré tout, ça dit aussi quelque chose du personnage. Et c'est aussi, avec bien d'autres choses, quelque chose qui participe à rendre son personnage touchant aussi, qui est parce qu'on pourrait se dire c'est le jeune aristo qui sait pas quoi faire de son temps, qui va prendre un ermite ornemental. On pourrait avoir un peu de le regarder avec un œil pas forcément sympathique. Oui, je voulais pas non plus. Voilà, ça, oui. Et ça participe aussi de ça. Mais en fait, je le voulais aussi plein de paradoxes, parce qu'en même temps, il fait des petites orgies, et en même temps, oui, c'est quelqu'un qui Alors, la figure de Mona, c'était plutôt un clin d'œil, c'est-à-dire que c'était pour non pas, attention, je vais pas me faire, j'espère que je vais pas me faire engueuler, mais non pas pour rire du féminisme, c'est pas ça, mais elle me fait penser à certaines femmes que je trouve très paradoxales, qui sont très féministes, certaines femmes, je fais gaffe, qui sont dans des attentes paradoxales vis-à-vis des hommes, c'est-à-dire qu'on demande un peu parfois tout, et tout est son contraire, c'est-à-dire, lui est très, très à l'écoute de tout ça, mais alors Mona, elle aime beaucoup Charles parce qu'il est égalitaire, justement, il la considère comme son... comme son égal. Et puis en même temps, elle le trouve pas assez viril. Elle est elle-même victime de certains clichés. Il lui faut un homme, je sais pas, fort, je sais plus comment elle est. Dominant. Elle a dit à un moment, oui, je préfère les hommes lourds. Donc le pauvre Charles, il est embêté. Il sait plus comment s'en dépatouiller. Il sait pas. Et comme je crois, certains hommes ne savent pas s'en dépatouiller parfois quand face à certaines femmes qui ont des exigences qui sont peut-être. Voilà, c'était un truc un peu léger. Et Mona fait un passage éclair dans cette bande dessinée. Ouais. Mais ce qui est important aussi et surtout
avec Mona, c'est qu'elle a avec Charles une petite fille qui s'appelle Sophia. Et donc Charles va se retrouver à élever seule Sophia, pas forcément trop savoir comment faire. Sophia, qu'elle aussi va se retrouver fascinée en quelque sorte par un petit ermite, on va y revenir. Comment est-ce que Sophia est arrivée dans l'histoire? Au tout début de cette rencontre, on disait qu'il y avait cette idée de parler des ermites ornementaux, cette figure de Charles Hamilton qui pouvait inspirer un personnage de fiction, puisque c'est transposé à une autre époque. À quel moment est-ce que tu t'es dit, mais cette histoire, il faut aussi qu'il se passe autre chose et que ce ne soit pas uniquement autour de ce Charles Hamilton? Alors, je crois que dans le truc de l'article de Francis Misiot, il y avait un enfant qui était, si c'est sûr même, qui était pulmonaire, qui était donc comme Sophia. Comme Sophia. Donc je me suis mais même c'est sûr. Donc du coup je l'ai. Je le dis hein, à la fin que. Je dis merci à Francis Misiot, sans qui Charles et Sophia ne seraient pas les mêmes. Oui, mais il fallait un contrepoids, en fait. Tu disais tout à l'heure qu'il pouvait ne pas être touchant aussi, et c'était un risque. Et Sophia, je savais qu'elle serait touchante, en fait. Elle est dans une recherche, non pas forcément une recherche de solidité, voilà, tous les deux sont en quête de modèles. Après, il s'est passé un truc très curieux dans cette histoire, c'est que il y avait cette petite fille pulmonaire et en fait, moi, je suis très attachée à Sophia parce que c'est un truc personnel, mais le hasard est très curieux. J'avais commencé ce livre depuis peu de temps et en fait, ma fille a eu un très 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 grave problème asthmatique. Enfin voilà, est asthmatique. Et du coup, je me souviens très bien, on était à l'hôpital et puis je travaillais en même temps sur ce personnage. Tout va bien maintenant, mais c'est vrai que j'y ai mis beaucoup, je crois, dans ce personnage. Effectivement très très touchant. Et qui, là, on peut le voir, est à Aberdeen, puisque parfois, avec Charles et Sophia vont à Aberdeen. C'est un conseil du médecin de famille, parce que l'air marin fait du bien aux gens qui ont les poumons les plus fragiles. Aberdeen, où se situe donc un institut qui accueille des jeunes gens pour de longs séjours. Et donc, on le voit à l'image, Sophia va rencontrer ce petit Anicet. Voilà. D'où vient ce prénom, Anicet? Mais alors, en plus, c'est un peu n'importe quoi, mon affaire, parce que Anicet, c'est français. Je me suis dit, après, bon, tant pis, c'est pas grave, ils ont tous des prénoms. Enfin, Sophia, bon, ça peut passer, ça se passe en Écosse, ça va, mais Anicet, alors Anicet, ça veut dire l'invincible. Voilà. Parce qu'il est présenté au lecteur et tout le monde le perçoit comme un quelqu'un d'invincible. Il est plus fort que les autres. Il est plus fort que les autres, etc. On va se rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. Et voilà, ils avaient tous. Mona, c'est l'unique. Mona, ça veut dire l'unique. Elle a ce côté très. Je suis la seule unique. Et lui, il cherchait un amour unique aussi. Il avait ce fantasme-là de grand amour. Et tu disais, on parlait du fait que Anicet semble très fort et qu'il ne l'est pas tant que ça. Et on va le découvrir, bien évidemment. On ne va pas tout dévoiler. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi, c'est que tes personnages vont bien. Ne vont pas bien, non, au contraire, pardon, ne vont pas très très bien, dans une société où justement on a envie que les gens aillent bien et on essaye de cacher des choses qui ne vont pas. Et d'ailleurs, c'est vrai que je disais que Charles souffrait de troubles bipolaires et que ce n'est jamais dit. Et il le dit à un moment quand il se demande s'il est seul à souffrir de ça, il dit il n'y a que deux options en fait. Soit j'ai une maladie orpheline, soit c'est une maladie invisible. Et c'est vrai pour le personnage d'Anicet aussi, ce côté de il y a ce que les gens voient, ce que la société veut aussi que les gens renvoient, et il y a la réalité des personnes. Il y a la réalité, mais après, bipolaire, c'est vrai que oui, je force le trait, mais comme je disais sur. Dans l'émission dont tu parlais, je crois que je l'avais sur France Culture, c'est une espèce d'agacement aussi de... Ben là, en plus, les gens ne vont pas très bien en ce moment. On a l'impression qu'enfin, ils ont le droit de le dire, qu'il faut un gros truc pour accepter que ça n'aille pas. Finalement, Charles Hamilton, il a des hauts et des bas. On ne sait pas vraiment si...
Est-ce qu'il a vraiment plus de haut et de bas que d'autres? Bon, je ne sais pas. Je le montre à Fallet. Mais peut-être pas plus, je ne sais pas, moi, que quelqu'un, qu'un gros, gros fêtard qui aurait des gueules de bois invraisemblables. C'est ce côté caché qui fait beaucoup de mal, le fait qu'on dise forcément que la dépression est quelque chose de... C'est pas drôle, la dépression, c'est une maladie, c'est compliqué, c'est dur, mais ce qui me gêne, c'est le jugement de valeur qui, souvent, pas toujours, mais souvent va avec. Et cette espèce, en effet, de il faut aller bien, on connaît. Et du coup, quand on va pas très bien, se greffe en plus une culpabilité qui est inutile, quoi, et qui, est encore, qui rend les choses plus douloureuses. Moi, je ne crois pas du tout qu'on puisse, être sage. Je ne crois pas qu'on puisse devenir sage. Tu n'as pas d'ermite dans ton jardin. Je n'ai pas. Je crois beaucoup au changement. Je crois que beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas changer. Ça, je ne suis pas du tout. Mais il faut vraiment s'y mettre, s'y coller pour changer. Mais à part quelques personnes qui sont vraiment, qui ont un don pour le, qui existent, qui sont douées pour le bonheur, c'est peut-être une constitution. On est tous en proie à des doutes, des moments où ça va moins bien, des hauts, des bas. Enfin, l'existence, c'est pas non plus tout le temps la fête. Donc c'était une manière de. On prend un personnage qui, on grossit le truc, mais en fait, on parle un peu de tout le monde aussi. Et de... Complètement. Et c'est pour ça aussi que tu as mis dans les affiches dans la ville, il y a des affiches avec écrit confidente, donc confiance. C'est que des affiches justement qui vantent le côté de faut être heureux, faut être puissant. Voilà, il y en a plusieurs dans l'album de ces affiches. Ou rester calme, il y a ça. Et en même temps, c'est dans un livre de développement. Enfin, c'est dans un livre que Charles découvre l'existence des ermites ornementaux. Et ça, quand tu parles aux échos que ça peut avoir et au fait que ça parle aussi de nous aujourd'hui, forcément, ça parle aussi de tout ça. Enfin, quand il cherche justement la sagesse, mais on forcément, cherche tous. On pense à toute cette vague aussi de littérature de développement personnel et où il faudrait. Mais qui n'est pas à jeter, c'est pas à jeter du tout. C'est pas ce que je dis. C'est juste, je crois que ça peut. Il y a des gens qui ça dépasse, quoi. C'est trop. Je crois que c'est trop, moi. J'ai l'impression que c'est un peu trop. Et tu parlais des affiches, ça me renvoie aussi à autre chose, à quelque chose que tu disais à propos de la nuit du misotrope dans Télérama. Tu disais « L'accumulation des enseignes est un pur plaisir de dessin. Jouer avec les lettres, la typographie m'a procuré beaucoup de plaisir. » On le disait, ça se passait aux États-Unis. Enfin, c'était un mélange de banlieue américaine, de Harlem, avec aussi un peu de banlieue française. Mm-hmm. Mais tu as retrouvé ce plaisir-là aussi, parce qu'on a vu des images où effectivement, il n'y avait pas forcément de décor. Mais quand on est dans la ville, quand on est vraiment où on voit les immeubles, il y a aussi ce jeu-là, j'évoquais les affiches, mais on retrouve ce jeu-là des typos, des enseignes. Même si tu es très, très économe dans le dessin, ça t'intéressait la typographie. Il y a des choses qu'on peut dire aussi. C'est un peu décalé par rapport à ta question, mais dans certains intérieurs, il y a beaucoup de tableaux avec des mots, des mots en anglais. Je ne sais pas si on les a là. Je vais pile pas avoir choisi ça. Non, c'est pas grave. Des mots qui disent, si on est un peu attentif. Par exemple, à un moment, il y a The Blind, l'aveugle, donc un aveugle qui est dessiné sur un petit tableau. Et je crois que le dessin, c'est quelqu'un qui ne voit pas la situation, qui comprend. Je crois que c'est un truc, il me semble que c'est. Donc c'est des petites. Je veux dire, des clins d'œil, c'est pas un bon jeu de mots avec aveugle. C'est ce que j'allais dire, mais je trouve pas le mot. je trouve pas le mot, mais j'allais dire clin d'œil aussi. Et par rapport à Charles et son ermite ornementale, on peut voir là les sessions de recrutement, les gens qu'il rencontre, puisqu'il va passer une annonce pour rencontrer son ermite. Mais avant de rencontrer Jean-Georges, donc l'ermite qu'on peut voir tout en bas de la page de gauche, Charles va vouloir voir dans son grand-père un potentiel modèle de sagesse, sans trop en dire bien évidemment sur l'album. Ça dit aussi ça, ce qu'on se raconte de ses propres histoires de famille, ce qu'on retient de ce qu'on entend ou de ce qu'on voit enfant, et comment est-ce qu'on déforme pas réellement puisqu'on n'est pas vraiment au courant, mais comment est-ce qu'on s'invente des histoires à propos de sa famille, même si c'est
court ce passage, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est important dans l'album, les histoires qu'on se raconte à propos de sa famille. Oui, oui, c'est et auquel on tient. Et parfois, on a beaucoup de mal à admettre que c'était pas ça du tout, en fait. Parce que ça peut nous avoir construit, nous avoir aidé, nous avoir justement donné un modèle. C'était compliqué, exactement. Je ne voulais pas que ce soit trop gros, justement, cette histoire de parce que lui va se dire que son aïeul, son grand-père, vivait dans le dénuement et qu'il avait une certaine sagesse. Et il va vouloir, il va mettre le buste dans le jardin, buste de son grand-père, voilà. Un peu à la modèle, sur le modèle de l'ermite qu'on voit dans le jardin, sauf que là, il ne bouge pas. Ouais. Donc finalement, ça va prendre fin. On ne dit pas comment, mais c'est pour ça que c'était important. Et tout l'enjeu, c'était compliqué pour moi, ça, de rester, de pas lâcher ce truc de fantaisie. Sinon, ça ne passait pas, en fait. L'histoire de c'était gros, c'est gros, en fait. Donc, il fallait arriver à justement le buste dans le jardin, etc. C'était voilà. Mais il a cette espèce de modèle en tête. Ouais, c'est pas du tout ça, quoi. C'est difficile d'en parler parce qu'on sans dire ce qui. On peut pas trop dire. Donc on va passer. Ouais. Enfin, moi je voudrais juste revenir sur Jean-Georges parce que du coup je me suis demandé si dans ta documentation tu savais justement qui étaient ces ermites. Tu disais au début qu'il y en a qu'on retrouvait dans les bars. Non, je sais pas. T'as inventé. Enfin, non. Ça peut être un peu n'importe qui. J'ai cherché, mais je suppose que ça devait être des types. C'était sans emploi. Enfin, vu qu'en fait, on a. J'ai retrouvé je vais y arriver. Des coupures de presse, voilà. Où donc des articles étaient. On demandait, voilà, un type recherchait donc un ermite ornemental. Donc, je suppose qu'il y avait des gens sans boulot, Non, moi j'ai imaginé des types plutôt barbus, plutôt. Et même des femmes, enfin, c'était un peu tout pour X raisons qui voulaient. Qui finalement voulaient. Parce que oui, c'était quand même pas si mal. Ils avaient le gîte et le couvert. Alors ils avaient, je crois, pour interdiction de parler aux autres, au personnel. C'était interdit, mais c'était pas inconfortable. Le premier, alors ils étaient très bien payés en plus. Ils étaient très bien payés, c'est sûr. Mais simplement, personne ne tenait. Non. Personne ne tenait. Je pense que les 15 premiers jours, c'est. Ah tiens, ça fait du bien, un peu de calme. Et puis, À moins d'avoir son petit bar caché dans sa cabane, mais c'est pas autorisé, ça marche pas. Je crois qu'il y en avait qui cachaient de l'alcool. Il y a un livre qui est une étude qui s'appelle L'ermite au jardin, qui est un des rares livres justement qu'il faut lire, mais il n'est pas traduit en français, d'un universitaire anglais qui justement a recensé plein de cabanes, de huttes en Angleterre, des trucs invraisemblables. C'est assez intéressant. Ouais. Je vois qu'il est déjà bientôt temps de nous quitter. J'aimerais qu'on regarde un instant à nouveau cette très belle couverture de La mécanique du sage, publiée chez Atrabile, je le rappelle. Comment est-ce qu'on voit tout de suite, même si du coup on ne le sait pas encore quand on ouvre l'album, l'importance de cette poussette qui ressort. Comment est-ce que tu en arrivais à cette couverture avec ton éditeur? Est-ce que ça a été immédiatement celle-là? Parce que des fois, je sais qu'il y a pour certains albums pas mal d'allers-retours, justement, parce qu'encore une fois, pour exister, notamment en librairie, on parlait tout à l'heure de la première impression du dessin quand on feuillette, mais là, tout premier échange, en tout cas le tout premier rapport qu'on a avec un livre, c'est la couverture qu'on voit en librairie. Comment est-ce que vous avez imaginé cette couverture avec ton éditeur? Alors en fait, il m'a demandé, il voulait que je, au départ, que je mette les personnages principaux. J'arrivais pas, c'était raide, j'arrivais pas à trouver un truc. Donc du coup, je me dis, si on prenait une image du bouquin, et ils m'ont proposé celle-là, et alors moi j'ai trouvé ça, parce qu'ils aimaient beaucoup ce dessin, mais moi je leur ai dit, il est bien, mais quel rapport avec le titre, quoi, ça va être... C'est vrai que c'est intriguant, mais en même temps, comme ça... Et en fait, puis finalement, à partir du moment où on l'a mis avec la typo, etc., on n'arrivait plus à...
on n'arrivait plus à voir autre chose. Ouais, non, mais justement, c'est intriguant parce qu'on voit ce moment avec toutes ces femmes, avec cette poussette au milieu, et du coup, on se demande où est la sagesse là-dedans. Oui. Et on se demande qu'est-ce que ça va être, la mécanique du sage. Oui, après, voilà, on s'est dit, c'est un livre qui posera, qui sera peut-être une couverture qui sera intrigante, on l'espère. Et puis après, il a choisi le rose. Non, j'ai choisi le rose, je crois. Mais lui, il fait un rose invraisemblable. Enfin, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais voilà. Et pourquoi le rose ? Pourquoi le rose ? C'était un truc un peu saumon. C'était un truc un peu saumon. Et c'était trop proche de mon dernier bouquin qui était dans les orangers. Mmh. Donc, on est allé carrément sur un rose. Finalement, ça colle. C'était quoi ? Qu'est-ce que tu allais dire ? Le trait bordeaux. Peut-être. Je ne sais même pas. Oui, où on cherchait une harmonie. Et puis finalement, c'était évident. Mmh. C'était évident. On a essayé, je crois qu'on avait essayé un truc, un blanc avec un trait dans les noirs, et c'était trop, ça n'allait pas. Donc, en tout cas, ça fait une très belle couverture, la mécanique du sage, pour un album, je l'ai déjà dit au tout début de cette rencontre, mais je le répète, un album formidable. Merci beaucoup, Gabrielle Piquet, d'avoir été avec nous, et merci à vous toutes et tous d'avoir été aussi avec nous à distance. Voilà. Merci beaucoup. Merci.